Toé Odette, de l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement, une ONG au Burkina. La première menace est l'accaparement des terres par les compagnies minières lorsqu'elles viennent pour s'installer. La deuxième menace est lors de l'exploitation, la présence de la mine et son corollaire de chamboulement de la société avec la vie qui devient plus chère, avec les risques de contamination des terres et des eaux. On constate un bouleversement total, pas forcément dans le sens positif. Les communautés ressentent encore plus les impacts négatifs de la présence des compagnies minières dans leur localité. Tout ce qui est travail à la maison, travail domestique revient à la femme. Aller chercher l'eau, aller chercher le bois, s'occuper de la survie de la famille côté alimentaire. Lorsque ces compagnies minières arrivent, elles accaparent les terres. Les femmes qui avaient des lopins de terre, qui exploitaient, perdent ces terres. Et elles ne bénéficient pas d'indemnisation parce que la terre n'appartient pas à la femme. Elle perd sa terre où elle cultivait, elle n'a plus de source de moyens, de source de subsistance. Et en cela, elle est encore plus impactée que les hommes. Elle demande de meilleures conditions de vie. Et l'une des principales demandes est que les compagnies minières consomment les produits locaux, ce que les compagnies minières ne font pas. Les femmes sont en mesure de produire, si, avec des aides, de produire tout ce que les compagnies minières consomment comme alimentation à leur niveau et de les écouler pour avoir des revenus. Et actuellement, nous sommes dans ce combat pour que les compagnies minières se retournent vers la consommation locale avec des produits locaux produits par les femmes. Oui, parce que avant l'école de Women, on nous a parlé des systèmes, par exemple le pouvoir visible, le pouvoir invisible, le pouvoir caché. C'est quelque chose qu'on connaissait, dont on n'avait pas l'importance comme ça. L'école nous a vraiment permis de savoir ce que c'est que ce système. Oui. Et la maison du maître aussi. Je crois que d'abord arriver, je vais essayer d'inclure ça. On est trop dans le patriarcat, dans tout ce que nous faisons. Souvent, on a l'impression que quand on est femme, on le fait seul. Il nous faut un peu de quelque chose des hommes, quoi. Souvent, on leur fait appel. Mais je crois qu'avec ça, nous pourrons indépendamment tracer nos voies sans souvent avoir recours au système patriarcat, aux hommes. Au pouvoir visible et au pouvoir invisible et caché, disons. Ben, je crois que j'ai encore plus assimilé ce concept de féministe. Oui. C'est vrai que je suis une activiste de la société civile, mais je n'étais pas trop ancrée. Hein. Je travaille avec les femmes dans le genre, mais je n'étais pas trop ancrée dans le concept féministe. Et je crois que tout ce que je vais faire dorénavant, je vais l'intégrer dans tous mes processus.